Happy New Year, Frank, and all the members of the Astroflix community. The true power of astral projection and out-of-body experiences is our ability to discover the answers for ourselves. Have a great show and keep on exploring. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu cette vidéo? Elle est pas belle la vie, hein? William Bullman qui vous souhaite la bonne année. Alors, il souhaite la bonne année à Franck. Vous vous demandez sûrement qui est Franck. Eh bien, Franck, c'est son agent. C'est la personne qui le représente au niveau européen depuis des années. Autant te dire que, ouais, il est proche de lui. Et c'est grâce à Franck, grosse dédicace à Franck hein, qui suit la chaîne, qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion d'échanger avec William. Je sais pas si tu percutes. Il faudrait peut-être revenir en arrière pour percuter sur ce qui s'est passé. C'est quand même fou hein, quand il pense. Hein. 2016, je découvre les sorties hors du corps. J'écoute Marco Burn sur Internet. Pour moi, il était loin. Et après, en 2017, suite à quelques expériences réussies, je tombe sur Voyage au-delà du corps de William Bullman. Oh. Et en plus, il était sorti sur Audible, il n'était pas encore sur YouTube, etc. Et je l'avais acheté à l'époque, hein, j'ai payé pour avoir accès à cette info et je me suis régalé. Et William Bullman, réellement, il m'en a donné pour le temps et l'argent que j'ai mis là-dedans. C'est quand même incroyable quand j'écoutais ce livre audio, parce que moi les livres, vous le savez, hein, eh bien, je me suis régalé à découvrir les concepts qu'il abordait. Donc c'était très intéressant, coup de foudre hein, à l'époque, je me suis dit « Waouh, William Bullman, c'est un truc de fou !» Alors j'avais pas tout compris, bien entendu, mais j'ai quand même bien écouté ce livre audio. Ensuite j'ai mis en pratique et j'ai constaté qu'il disait vrai, il y avait différents niveaux de vibrations, etc. Et surtout ce que j'ai aimé dans le livre audio, c'est qu'il démarre sur un concept scientifique et vous savez combien j'aime le côté scientifique des choses. Et il m'avait rassuré, il m'avait concrètement rassuré sur ce phénomène. Donc William Bullman, c'est de la bombe internationale, ça c'est clair, net et précis. Et 2023, 7 ans plus tard... Eh ben, on le retrouve sur notre chaîne. Alors, son âme sera avec nous, connectée à notre chaîne, parce que vous l'avez vu, hein, William, maintenant il se repose, il est à la retraite, tranquille, en famille, et en plus il sort d'une maladie, donc il est en train de se reposer, et malheureusement il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler longtemps, en fait, quand il communique, il perd la voix au bout de, je crois, une minute, et du coup, il ne peut plus tenir un live longtemps. Donc, ce qu'on a fait, on a récupéré toutes les questions les plus importantes et on lui a envoyé. Et il a pris une semaine, voire deux, pour bien nous répondre. C'est un truc de dingue quand il pense. William Bullman, non mais oh, au-dessus c'est le soleil, tu vois un peu le truc. Non, c'est du haut niveau là, c'est du très haut niveau. Et donc il a pris le temps de répondre à nos questions. Très précise, hein, des questions. Moi, je me suis régalé. Hein, je lui ai envoyé des questions aussi. Toute la team, en fait, j'ai récupéré toutes les questions que vous vous posez. Et on a travaillé ça avec Camille. Camille, elle a fait un travail tip-top. Alors, bien sûr, on ne lui a pas posé les questions lambda qu'on lui a déjà posées. Tu vas sur Internet, tu vas voir, il y a déjà des vidéos traduites en français. Les questions auxquelles il répond dans ces vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube, on ne lui a pas posé. Nous, on lui a posé des questions beaucoup plus pointues. C'est William Bullman, quand même. Là, on franchit un cap, tu vois. Donc, on lui a posé toutes ces questions, on lui a envoyé, il les a reçues, il s'est posé, tranquillou, il a répondu une par une. Mais attends, c'est pas fini. Il y a une grosse surprise qui vous attend pour le live. Parce qu'on va faire le live, hein, connecté avec William. En tout cas, c'est Franck qui le représente. William, il va écouter comme il peut. Je sais même pas s'il parle français, je pense pas. Mais je sais qu'il va être connecté à nous, ça c'est clair. Et c'est Franck en fait qui va répondre à sa place et il va répondre à toutes les questions qu'on lui a posées. Voilà. Donc, et puis Franck, c'est quand même un proche, hein. C'est lui qui le représente ici. Donc si vous avez des questions lors du live avec Franck, vous pouvez les poser et Franck répondra parce qu'il connaît très très bien le domaine aussi. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'il est à ses côtés. Donc top, extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y aura une surprise dans ce live? Oui, t'as bien compris. Grosse surprise.
Donc il va falloir être connecté en live, en direct. Je te préviens une semaine avant. Ça se passera vendredi prochain à 19h30. À partir de 19h30, eh bien, soyez connectés parce qu'il y aura une grosse surprise durant ce live. Donc on va faire un espèce de jeu, vous allez voir, hein, ça va être super. Et gros cadeau pour les personnes qui vont jouer le jeu. Ok ? Bon, énorme. Rendez-vous d'ici vendredi prochain au live sur la chaîne. Partagez le message sur tous les groupes Facebook, Insta, tout ce que vous voulez. Prévenez toute la communauté francophone, les Québécois, les Français, les francophones d'Afrique, tout le monde. Là, c'est William. C'est du lourd, c'est du très lourd. Et je vous préviens, le cadeau aussi, c'est du costaud. C'est du très, très, très costaud. Il est incroyable, ce mec. Il est incroyable. On lui a rien demandé. Le gars, il est chaud patate. Hein, il est chaud patate. Et tu vois que le mec, il a visité les mondes supérieurs. Face à l'attitude qu'il a eue là, sur ce coup-là, et c'est une surprise, donc je ne vous dirai que vendredi prochain, tu vois que le mec, il est parti dans les mondes supérieurs, ça se voit. Tu vois que le gars, il est rempli d'amour. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, les amis. On avance. Qui l'aurait cru, pas t'a cru, hein, 2016, 2023, enfin 2024. Qui l'aurait cru? Mais on y est là, on y est et on avance encore. Attention, c'est que le début. Hein. Bientôt, Robert Monroe, il va revenir de l'au-delà pour venir faire une interview. Paix à son âme. Hein, bien sûr, attention, il faut respecter les gens qui sont partis. Mais quand même, c'est dingue quand il pense. C'est quand même dingue. Voilà, donc les amis, vendredi prochain, 19h30, on est connecté, on active la cloche, on partage cet audio-là que je viens de faire maintenant à tous les copains, les copines, Facebook, tout ce que tu veux, et on se connecte, on s'abonne et on active la cloche pour ne surtout pas rater ce live mémorable. Ok ? Allez, gros bisous les amis, William Bulban, yeah !